Honnêtement, j'ai hâte de te voir devenir une avocate. Lindy, je suis si fière de toi. Regarde, j'ai hâte de te voir porter ce que vous les avocats avez l'habitude de porter, tu vois, cette monstrueuse perruque, tu vois. Belle, il ne faut pas insulter cette robe et la perruque. C'est un crime passible d'une peine de prison. S'égare. Ah, je suis désolé. Je ne les manquerai plus jamais du respect. Tu sais, je sais que je pourrais toujours compter sur eux. Comme tu le sais, j'ai un don pour toujours me foutre dans la merde. Ils m'en sortiront. Dale. Donc, c'était ça ton plan? C'est pour cette raison que tu m'as encouragé à étudier le droit criminel, alors que papa voulait que j'étudie le droit des affaires. Linda, pas ça, pas du tout, juste que... Je sais que tu peux... Je sais que tu peux le faire en tant qu'avocat criminaliste. Ok? Tu vois? Écoute, laisse-moi te dire une chose. Si tu fais quelque chose de mal, je t'enverrai directement en prison, crois-moi. Je sais que tu ne peux pas le faire. Je suis ton frère. Arrête ta bêtise. Je vais. Qu'est-ce que vous avez fait à mon frère? Allons-y. Désolé, mon amour. Désolé, c'est juste vrai. Ok? Je suis libre. Ma puce, ce vin est délicieux. Oh, ça pue également de la bonne baisse. Bonne baisse? Ouais. Parmela, t'es folle. En tout cas, c'est bon de te revoir. Tu m'as vraiment manqué tous ces mois passés. Oh, tu m'as également manqué. Tu sais, l'entrée était une expérience tellement ennuyeuse sans toi. Oh, ma chérie, ça c'est de la qualité. Hey, c'est pour toi. Tu sais que je ne bois pas de vin. Oh, ouais, ouais. J'ai oublié que tu préfères ton poison plus que tout le monde. Ah. Alors, dis-moi. À quand la sortie de ton nouveau blog? Ah, ce blog. J'ai rencontré de gros problèmes en l'écrivant.
Là, j'ai rien du tout. Aucune idée. C'est bon, Pam. T'es une femme forte. Tu peux le faire. Donne juste du temps et ça viendra. Hmm? T'es une grande écrivaine. Et tu sais que j'aime te lire. Merci beaucoup. Tu sais, tu es ma première fan. Merci de me faire autant confiance. Et je t'en prie. Tu vas bien? Moi, ça va. Sauf ces souvenirs de cauchemar que je fais tous ces derniers temps. À part ça, ça va. Oui, ça va. Ces cauchemars ont-ils un rapport avec le meurtre de Lindell? Essaye d'oublier ça, ma chérie. Tu as traversé le pire. Et ça a été une expérience traumatisante. Donc, ça ne devrait pas te surprendre si ces cauchemars persistent. Ouais, je sais. Mais ce n'est pas comme si je me rappelle de tout, à part le moment où Lindell a été tuée. C'est le flou total dans ma tête. Donc, tu ne te souviens de rien, depuis lors? Rien du tout. Wow. Ok. Là, tu as besoin de ça maintenant. Déguste ton vin. Laisse-moi continuer mon travail. Et qu'est-ce que je rate? Le vin, je n'aime pas ça. Coucou, bébé. Hey, bébé. Bienvenue. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. T'es rentré tôt, hein? Eh bien, ce n'est pas ça, mais j'avais tellement hâte de revoir ma chérie préférée à la maison. Oh, oui. Ta chérie préférée. Eh bien, ta chérie préférée a fait ton plat préféré pour le dîner. Merde. Pourquoi maîtrises-tu autant mon cœur? Tu sais quoi? J'ai quelque chose de spécial à te montrer. Non. Non, bébé. Je m'en vais te chercher à manger. Bébé, réveille-toi, s'il te plaît. J'ai envie de toi. Non, mais sec, tu peux arrêter. Oh non, bébé, s'il te plaît. Écoute, j'ai envie de toi. J'ai tellement envie de toi. Ah. Ok, laisse. Laisse-moi juste sentir ta chaleur. Juste pour une fois. Chegoun, je ne suis pas prête. Ok. Je vais te rendre prête. Écoute, bébé, écoute, tu vas aimer. Crois-moi, hein. S'il te plaît. Chegoun, s'il te plaît, laisse tomber. C'est quoi ça? S'il te plaît. Linda. Linda. Allez, bébé. Pourquoi m'as-tu tourné le dos? J'en avais envie. Qu'est-ce qu'il y a entre les hommes et le sexe? Peux-tu me coller un peu la paix? La paix? Est-ce trop demandé, monsieur Chegoun? Mon amour, en aucun jour je ne t'ai touché. Tu es ma femme et ce n'est pas un crime de faire l'amour. Pourquoi tu fais ça? T'ai-je donné la permission de me toucher de cette façon? Écoute, chérie. Chegoun, c'est de la trahison. Bébé. Allez, j'ai pas besoin de permission pour te toucher. Je suis ton homme, ton futur époux et je t'aime. Écoute, je veux juste que nous ayons un moment intime. Et ainsi, les démons qui te hantent finiront par s'en aller. Non, Chegoun, non. Je ne veux pas ce genre, d'accord? Je ne l'accepte pas. Mon amour, toutes ces larmes que tu verses dans la nuit me font de la peine. Je passe des nuits blanches avec toi, mais tu t'obstines toujours à refuser de me raconter tes cauchemars. Si j'endure tout ça, c'est parce que je t'aime. Linda, je suis là pour toi. Oui, je suis là. Ne penses-tu pas que c'est le moment de me faire confiance? Non. Non. Jimmy, tu sais que je n'aime pas dormir sans toi.
Viens te coucher, bébé, s'il te plaît. Bébé, j'ai des choses à faire actuellement. Est-ce que j'en fais partie? Oh, pas du tout. Bah voilà, comme d'habitude. Coucou ma puce. Coucou Pam. Salut. Tu ne m'as pas dit que tu venais. J'ai rendu visite à quelqu'un dans les environs. Et de plus, tu as l'air d'avoir vraiment besoin de compagnie. Ma puce, tu vas bien? Ça va? Je vais bien. Oh, ne me la fais pas à moi, tu n'as pas l'air bien. Allez, habille-toi, on va sortir. Je ne veux pas d'excuses, Linda. S'il te plaît, je t'invite. Linda! S'il te plaît. Debout, va t'échanger. Linda! Ok. Voilà. Ça ne fera du mal à personne, quand même. Bah, voilà. S'il te plaît, ne me perds pas le temps. Sois rapide. Seule dans cette grande maison. J'imagine. Ça fait un bail que je l'ai fait. Faire quoi? Je veux dire ça. Sortir, prendre un verre, m'amuser. Maintenant, tu comprends que ta vie sociale est vraiment à revoir. Bien sûr. Laisse-moi me régaler. Lâche-toi. Il faut que j'aille aux toilettes. Ok, vas-y. Je vide mon verre. Allez, fais-toi plaisir, ma puce. Attends-moi, j'arrive. D'accord. S'il te plaît, vas-y, tu en as besoin. Pas cette vie ennuyeuse que tu mènes tous les jours. Une fille. Madame, je suis désolé. Vraiment désolé, c'est de ma faute. C'est bon. C'est de ma faute de toutes les façons. Je n'ai pas regardé où j'ai posé les pieds. Si vous le dites, qui suis-je pour contredire une dame, surtout si elle est jolie comme vous? Savez-vous que vous êtes belle? Le saviez-vous? Et vous êtes un flatteur, n'est-ce pas? Ça m'arrive, sinon. Comment tu t'appelles, jeune dame? Moi, c'est Linda. Quel joli nom pour une jolie dame. Moi, c'est Jamie. Enchanté, Jamie. Moi de même. Bien, mais je dois rejoindre ma copine. Bien. Alors, comment puis-je te revoir? Jamais. Oh. On ne peut pas se revoir. Pourquoi? Parce que je suis fiancée à quelqu'un. Oh. J'espère qu'il sait qu'il est vraiment chanceux. Merci. Alors? Alors? Quand puis-je vous revoir? J'espère qu'il sait qu'il est un homme chanceux. Eh bien, quand tu le verras, dis-le-lui. Elle m'a accroché au nez. Ta fille m'a accroché au nez. Zara. S'il te plaît, Chef, ne m'appelle pas Zara. Hein? Ne m'appelle pas Zara. Pourquoi est-elle si irrespectueuse et impolie? Hein? Par les liens du mariage, je suis sa mère et je mérite du respect. Zara, ne prends pas les choses de cette façon. Prends-les calmement. Linda va se ressaisir et tous les deux vous trouverez un compromis. Un compromis, tu dis? Vraiment? Pour combien de temps? Pour combien de temps encore, Chief? Depuis nous sommes mariés et jusqu'ici, Linda ne parvient pas à m'accepter. Hein? Viens ici. Viens près de moi. Chief, tout ce que je lui demande, c'est qu'elle m'aime et qu'elle m'accepte. C'est tout ce que je lui demande.
Je veux que tu ailles doucement avec Linda. Elle a été tellement traumatisée. Elle est encore sous le choc. Traumatisée? Est-elle la seule à avoir été traumatisée? Je veux dire, j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu mon petit garçon. Qu'est-ce qui peut être plus traumatisant que ça? Hein? C'est bon. Tout cela va s'arranger. Oh! Viens. Tu me manques. Arrête. Je croyais que tu en avais envie. Ah, non, s'il te plaît, arrête. Tu sais que je n'ai pas envie. Alors pourquoi me forcer? Je suis désolé. Chaque jour, s'il te plaît. Comment vas-tu, mon cœur? Je vais bien, papa. Et toi? Ça va. Zara et moi pensions que tu passerais une fois ces jours-ci. Ça fait vraiment mal que tu ne nous as pas rendu visite. Je sais, papa. Désolée, j'étais occupée. Tu connais mon boulot. Ah. Je sais que ton frère te manque. C'est ton jumeau. Ah. Mais il était aussi mon fils, comme tu es ma fille. Et il me manque énormément. Écoute, viens à la maison pour qu'on en parle. Tu me manques tellement. Tu me manques, papa. Je viendrai bientôt. Ok, papa. Bye. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi dois-je tant souffrir? Étais-tu toute la nuit? J'ai dû partir. Où ça? Réponds-moi, Shegun. Qu'est-ce qui était si important pour que tu partes de la maison en plein milieu de la nuit? J'ai passé toute la nuit à m'inquiéter pour toi. Je pensais que quelque chose de mal t'était arrivé. T'ai-je demandé de t'inquiéter pour moi? Es-tu ma mère? Est-ce
salaud! Aïe! Hé, tu folle? Ça ne va pas la tête! Si jamais tu oses encore lever la main sur moi, tu me méconnaîtras dans cette affaire. Que tu étais en congé. Je le suis. Mais tu travailles. Et c'est quoi ces photos? Tu disais partir aujourd'hui. Me demandes-tu de partir? Je te demande juste un break. Timmy, j'en ai marre. J'espère que tu le sais. Chérie, peux-tu garder ton téléphone, s'il te plaît? Bébé, tu sais que je t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Écoute, je t'aime de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme, bref, tout. Chérie, mon amour, je voudrais juste... Dis-moi combien tu veux. Oh, comment tu l'as su? Oh, ok. Juste 4 millions. Donne-moi ton chien. Bébé. Bébé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé de t'avoir frappé. J'aurais dû te dire où j'étais et pourquoi. Alors dis-moi, où étais-tu cette nuit? J'ai reçu un appel d'un ami et... c'était si urgent que je ne pouvais pas attendre ton réveil. Désolé, mon amour. C'est bon, je te pardonne. Je n'aurais pas dû t'agresser comme je l'ai fait. Je suis désolée. C'est bon maintenant. Regarde. Je sais que c'est ton préféré. Waouh. Oui, attends. J'ai aussi préparé le dîner. Hein? Waouh. Qu'est-ce que tu as préparé? C'est une surprise. Tu devras patienter vraiment? Pour savoir ce que c'est. Waouh! Ah! Ça, c'est de l'amour. Là, je suis jalouse. Mais content aurais-je également sur un homme qui me fera de très beaux cadeaux et qui me fera de délicieux plats. Ah! Pour le dîner, Seigneur! Quand? Oh, Pam! Je t'assure, t'es folle. Non, laisse-moi. Linda, dans cette vie, l'amour est tout ce qu'il y a. Ah oui! La façon dont Chego m'aime est vraiment exceptionnelle. Malgré tout ce que je peux lui faire. Et le fait que je continue de refuser à m'offrir à lui. Il est toujours là pour moi. Mais puce, ce gars est un ange. Ah oui, il est mon ange. Et pour tes cauchemars, tu t'en souviens déjà? Ah, c'est coussi coussa.
Bah, c'est le flou total dans ma tête, non? Je ne me souviens de rien. Et je ne souhaite pas m'en souvenir. Je comprends. Tout ira bien. Ok? D'accord. Super. Oh! Désolé, désolé, désolé. Je suis vraiment désolé. Encore toi? Ah! Si nous continuons à nous croiser ainsi, je finirai par croire que... Vous me suivez là. Comment le dire? Le monde est vraiment petit. Eh bien, disons que c'est ça. Alors, puis-je avoir ton numéro maintenant? Comme je te l'ai dit plus tôt, c'est toujours non. Oh. Désolée. Bye. Au revoir. J'aurais tellement voulu te revoir, mais tu me repousses. Bonjour, papa. Ah, oh. Comment tu vas? Je suis content de te voir. Mm-hmm. Te voir vient juste de m'ajouter plus de vie. Comme tu le vois, je me porte bien. Ouais. Oui, et Zara prend bien soin de moi. Oh, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Lina. Je sais que tu n'apprécies pas Zara, mais... Pour un vieil homme que je suis, fais-moi un sourire. Bien, c'est mieux. Alors, je suis content. Laisse-moi sortir. Puis, nous irons quelque part. S'asseoir, prendre un délicieux plat. Et là, tu pourras me parler de ton boulot et de tous les cas que tu as eu à traiter ces derniers mois. Ok. Je suis très content de te voir. D'accord, papa. Tu m'as manqué. Toi aussi. Et toi encore plus. Ça va aller, ok? Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a violée. Il m'a violée. Il m'a violée. Il m'a violée. Qui t'a violée? Dis-moi, qui t'a violée? Il est entré dans la maison. Il m'a violée. Il a tué mon frère. Il a tué mon frère. Il m'a violé. Il m'a violé. Désolé, désolé. C'était un rêve. Ça va aller. Je suis désolé. Désolé, hein.
Chérie, ne travailles-tu pas aujourd'hui? Je ne suis pas d'humeur à travailler. J'ai pris un congé. Ne te sens-tu pas bien? Non. Je veux juste me relaxer. D'accord. Je m'en vais au boulot. À très bientôt. Ouais, ok. Bisous. Sois sage. D'accord, bébé. Madame Justine, je suis votre avocate, ok? Faites-moi confiance et nous gagnerons ce procès. Oui, je sais, vous devez vous calmer. Oui, j'ai dû faire un tour à la maison pour récupérer un document. Je reviens. Je comprends, je comprends. C'est bon. Oui, je le ferai. Ne t'en fais pas, nous gagnerons ce procès. D'accord. Je te verrai bientôt. Alors tu dis qu'elle ne sait rien du tout? Togun est mieux placé pour répondre à cette question parce que il vit avec Linda. Segun Pamela a raison. Que t'a-t-elle raconté à propos de cette fameuse nuit? Eh bien, ce n'est rien de plus que ce que je vous ai déjà dit, les gars. Segun, depuis que nous nous connaissons, j'ai toujours dit, dans notre job, il y a des choses que nous ne pouvons tolérer. Ce genre de conneries, en l'occurrence. Ne dis pas ça, Krit. Je suis le plus déçu. Oui, je suis le plus déçu parce que ce n'est pas ce qui devait se passer. Notre boulot était de le tuer et non de lui tirer dessus et de la violer. Mais juste... Ce n'était pas quoi, Segun? Donc c'était toi! Qu'allons-nous faire? Elle s'est souvenue de moi. Elle s'est souvenue de tout. Rattrape-la! Je la veux vivante. Vivante, j'ai dit! J'arrive, mais qui ça peut être? Ferme la porte! Qu'est-ce qu'il y a, Linda? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Parle-moi, parle-moi, Linda. Quel est le problème? Tu sais, tu n'as pas été ici pendant un bon bout, donc si tu es là, il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais? Parle-moi, puce. Linda, parle-moi, c'est quoi le problème? Je l'ai vu. T'as vu qui? Je l'ai vu, Serena. Qu'est-ce que t'as vu? Il était chez moi. Qui? L'homme qui a tué Lindel. Il est à la maison avec Segun et Pamela. Où est-elle? Elle est partie. Comment ça partie? L'as-tu tuée? Elle a réussi à s'échapper. Vous vous foutez de moi? Comment a-t-elle pu vous échapper à tous les deux? Vous savez quoi? Peu m'importe. Vous la retrouvez. Je me fiche qu'elle soit sous un rocher. Retrouvez-la. Écoutez, que cela vous plaise ou pas. Je me fiche qu'elle soit cachée sous un gros rocher. Mais je ne comprends pas. T'as dit, tu te rappelais pas de ce qui s'était passé. Comment es-tu sûre que c'est lui? Comment? J'ai eu un flash quand je l'ai vu. C'est lui. T'as recouvré la mémoire. Et tes meilleurs amis, Pamela et Segun, sont-ils complices avec cet homme? Ils veulent me voir morte. J'arrive pas à croire.
Chegou n'est pas Mela. J'arrive pas à croire qu'ils m'ont trahi. Quelqu'un t'a-t-il suivi ici? Linda, est-ce que quelqu'un t'a suivi? Quelqu'un t'a-t-il suivi ici? Linda! Quelqu'un t'a-t-il suivi ici? Mais parle! Non, je pense tu dois appeler ton père. Non. Appelle ton père, s'il te plaît, appelle ton père. Tu dois l'appeler. Je ne veux pas que sa vie soit en danger. Bien. Bien. Il faut donc se rendre à la police et maintenant. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Nous n'avons pas de preuves. Ils ne me croiront pas. Non, Linda, il faut se rendre à la police. Ils sont mieux placés pour ce genre de situation. Preuve ou pas preuve, il faut juste aller à la police. Nous ne pouvons pas. Je n'ai pas de preuves. Ça ne sent pas bon. J'ai peur. Ok, bien. Qu'est-ce que tu planifies? Je ne sais pas. Je dois y réfléchir. Ok. Calme-toi. Hey, hey, hey. Calme-toi, calme-toi. Ok, juste calme-toi. Je t'apporte au moins quelque chose à manger pendant que tu réfléchis sur quoi faire. Vous aviez une mission. Juste une mission. Une mission qui était celle de garder les yeux sur Linda et m'informer au moment où elle devait retrouver la mémoire. Mais vous ne l'avez pas fait. L'un d'entre vous peut-il me dire pourquoi je vous paye, bande d'incompétents? Zara, je pense que Linda nous a bien eu, elle. Ferme ta gueule, t'es folle? Hein? C'est Madame Palougou pour toi. Espèce de malheureuse petite guetousarde. Qui t'a donné le droit de parler? Hein? Qui t'a donné le droit de t'agresser à moi? Oh! Oh! Oh, je vois. Juste parce que tu as trahi ton ami pour une minable somme, ça fait de toi mon égal? Écoute, t'es rien d'autre qu'une petite canaille de bas quartier. Mets-toi ça bien dans la tête. Zara, s'il te plaît, je pense que tu dois te calmer. Je veux dire, nous avons fait de notre mieux. Mais votre mieux n'était pas assez. Il n'était pas si. Hein? Écoute, cette fille est mon plan B. Oui, je t'ai demandé de l'épouser afin de m'aider à régner sur la dynastie des Balougou. Qu'est-ce que t'as fait? T'as préféré une longue période de fiançailles. T'as ruiné mes plans. Qu'étais-je censé faire? L'emmener devant le maire, malgré elle. Elle a dit qu'elle n'était pas prête à se marier. De plus, c'est moi qui t'ai dit qu'elle a commencé à se rappeler de certaines choses à travers ses rêves. Pas vrai? Et toi? Ça, c'est ta merde. Nettoie-la et n'essaye pas de me décevoir cette fois. Je découvrirai où elle est cachée. Une fois que je l'aurai, je t'enverrai la graisse. Amène-la à moi. Il est grand temps que j'aie une discussion avec ma belle-fille. N'importe quoi. Ça, c'est la chose la plus intelligente que t'aies dite aujourd'hui. La fille en question est supposée être ta fiancée. Dis-nous, où pourrait-elle bien se cacher? Aucune idée. Je veux dire, Linda est la reine des secrets. Personne ne peut savoir où elle se trouve. Je ne pense plus du tout vouloir faire partie de ce coup. Trop tard, ma belle. Trop tard. T'es déjà impliquée. T'es trop impliquée pour te défiler.
Ne t'inquiète pas, bébé. Elle va bien. Oh, j'espère qu'elle va vraiment bien. Je veux dire, c'est ta fille. Et en tant que parent, c'est de notre responsabilité de constamment veiller sur elle et de savoir où elle se trouve. Écoute, mon cœur. Tout ce que je dis, c'est essaye de l'appeler pour savoir où elle est et comment elle va. C'est tout, hein? Hey. Ok, je l'appellerai. D'accord, merci. Ah, oui, papa. Ok, ok, je t'aime, papa. D'accord, papa. Est-ce que tout va bien? C'était mon papa. Il voulait savoir où je suis. Par mesure de prudence, je n'ai rien dit. Alors, tu lui as dit avec qui et pourquoi? Je ne lui ai pas dit que je me cachais chez toi. Et je ne lui ai pas dit pourquoi. Parce que je sais que cette vilaine sorcière de Zara est assise près de lui pour écouter notre conversation. Je ne veux pas qu'elle se mêle de mes affaires. Je vois que tu la tiens toujours à cœur. En tout cas, nous deux. J'aurais fait pareil que toi. Pourquoi la détestes-tu? Pour des raisons évidentes. Quelles raisons évidentes? Pour avoir trompé ton père, non? Tromper mon père? Avec qui? Quand? Serena, je te parle. Réponds-moi. Zara couchait avec Lindell. Oh mon Dieu! Je l'ai su. Nous avons rompu. Oh mon Dieu! Oui. Ah, je ne savais pas. Je pensais que si. Non. Tellement fâchée de lui pendant longtemps. Ah, ça m'a pris du temps pour vraiment en faire table rase. Mais il m'aimait. Je veux dire, il me l'a dit. Qu'il m'aimait, oui, vraiment. C'est pour ça que c'était si dur de croire qu'il ait pu me trahir de cette manière. Je voulais le dire à ton père. Je voulais tout lui dire. J'y ai été tentée. Mais je me suis ressaisie. Dieu merci, tu ne lui as rien dit. Ça l'aurait détruit. Bon. Merde. Je déteste cette femme, tellement. Je la déteste encore plus. Je suis vraiment désolée, Serena. Celle-ci. T'attends quelqu'un? Non. Bouge pas, espèce de petite garce. Comment on se retrouve, hein? Prends place. Apparemment, c'est mon jour de chance. Assieds-toi. Assieds-toi. Vas-y. Assieds-toi. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai rien fait de mal, s'il vous plaît. Linda, mon amour. Tu n'as rien dit à personne, n'est-ce pas? Oh, allez, sois pas comme. Personne va te croire, certainement. Encore moins ton père. Parce que lui, il sait que tu es psychologiquement instable. Grâce à Dieu, l'évaluation psychiatrique que tu as eu à passer nous aidera beaucoup.
Peu importe ce que tu diras maintenant, on le mettra sur le coup du stress émotionnel. Donc, pas besoin de stresser. Entends ça. T'es vraiment mal barré. Personne ne croira à une dingue comme toi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne vous ai rien fait de mal. Mais bon, tu m'as causé trop. Parmi lesquels, je peux citer le fait que tu as repoussé mes avances sexuelles malgré le fait que je me suis toujours comporté comme un gentleman. Est-ce que je t'ai violé? Non. Pas comme ce salaud de cri qui t'a violé cette nuit. Je ne l'ai pas fait car je suis un vrai gentleman. Et tu ne sais pas ce que tu as fait, celui-là. Un trait de peau. Trait de bavardage. Debout. Allez, hop, 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 lève-toi, vas-y, vas-y. Debout. Un seul faux geste et tu es mort. Oh, Serena. Allez, avance, Serena. Avance. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Pourquoi tu m'arrêtes? Zara a dit qu'elle la veut vivante. Merde alors. Oh. Rattrapons-la. Ils veulent me tuer, s'il te plaît, aide-moi. Qui veut te tuer? Ils veulent me tuer, s'il te plaît, aide-moi. Ils veulent me tuer, aide-moi. C'est bon, calme-toi. Ça, c'est du téléphone, un iPhone. Ça alors, aujourd'hui, j'ai gagné au gros lot. Oh là là, quelqu'un m'a fait un gros cadeau. Hey, mince, regarde le téléphone. 3 caméras, seigneur, c'est la dégaine. Chief, peux-tu appeler Linda? Ça fait un bout qu'on n'a pas de ses nouvelles. Je l'ai eu il y a de cela des jours. Je sais. Je m'inquiète juste pour son bien-être. Son fiancé m'a appelé en me disant qu'ils se sont bagarrés et Linda a pris ses affaires et est partie de la maison. Son fiancé? Quel fiancé? Linda n'a pas de fiancé. Elle ne m'a rien dit de tel. Pas besoin de t'inquiéter, Chief. Tu sais... C'est le genre de choses dont une mère et une fille discutent toutes les deux, tu vois? Et elle t'a parlé de ce fiancé? Qu'est-ce que tu crois? Ah, s'il te plaît, appelle-la. Linda a un fiancé. Intéressant ça. Ça, c'est du téléphone. Ah, qui appelle? Mais qui est-ce? Allô? Allô, qui est-ce? Qui parle? Qui es-tu? Je veux parler au propriétaire du téléphone. Donnez-lui le téléphone. Je veux parler au propriétaire du téléphone. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Qui est le propriétaire du téléphone? Moi, garde, je ne sais pas de qui tu parles. C'est mon téléphone. C'est mon numéro que tu appelles. C'est qui ça? Au Ben ou au moi, au gars, respecte-toi. Respecte-toi, n'appelle plus à ce numéro. Un homme décroche au téléphone et l'idiot me raccroche au nez, je n'y crois pas. Rappelle-la encore. L'idiot ne répond pas.
Il faut que j'aille chez Serena. Chief, calme-toi, calme-toi. Ne stresse pas pour rien. Je veux dire, peut-être qu'elle a donné son téléphone à l'homme avec qui elle se trouve actuellement. T'as pas besoin de t'inquiéter. Mais c'est absurde, ça. Tu sais, pour quelqu'un qui dit avoir de l'intérêt pour ma fille, tu sembles soudainement ne plus t'inquiéter pour sa sécurité. Chief, pourquoi parles-tu ainsi, hein? Bon, ok, d'accord. Puis-je t'accompagner au moins? Linda, je veux que tu me dises toute la vérité. Qui est ton fiancé? Et pourquoi veut-il te tuer? Je ne peux pas, je ne peux pas. Ils ont tué mon frère. Et Serena aussi. Et si je te dis, ils voudront aussi te tuer. J'aimerais bien voir ça. Écoute. Je ne peux pas t'aider si tu ne me dis pas la vérité. Pourquoi ces gens veulent-ils te tuer? De faire un arrêt cardiaque, hein? Chief, tu risques de faire un arrêt cardiaque. Essaie de t'asseoir. Hein? Que je m'asseye. N'as-tu pas entendu ce que la police a dit? N'as-tu pas entendu ce que sa voisine a dit? Serena a été assassinée d'une balle dans la tête. Et tu veux que je m'asseye quand je ne sais pas où se trouve ma fille? Oh, ne sois pas pessimiste, Chief. Peut-être que Linda n'était pas là quand c'est arrivé. Peut-être qu'elle est sortie pour acheter un truc. Je ne sais pas, moi, hein. Et pour cette fille qu'on appelle Serena, elle mérite ce qui lui arrive. Sarah. Linda. Je t'ai acheté quelques vêtements. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu peux les prendre. Ok. S'il te plaît. Puis-je emprunter ton téléphone? J'aimerais appeler mon père. Merci. Que font les photos des Zara ici? Ça, c'est Pamela. Shegun. Jamie! Oui, j'arrive! Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, que font ces photos dans ton téléphone? Elles sont à mon client. Je suis un enquêteur. S'il te plaît, qui est ce client? Dans notre métier, nous ne les exposons pas. Désolée. Je suis désolée de demander. Parce que ça, c'est ma belle-mère Zara. Et celle-ci, ma meilleure amie Pamela. Et Shegun, mon fiancé. Tu veux dire que tu es la fille biologique de Chief Balogo? Quoi? Tu connais mon père? Ça commence à devenir intéressant. Chief Balogun m'a contacté pour que j'enquête sur sa femme. Il pense qu'elle a un amant. Ouh. Alors, c'était donc elle, tout ce temps. Pardon? Zara, elle a prévu de me tuer.
Elle m'a toujours détestée. Bébé, calme-toi. Calme-toi. Prends tout ton temps. Je t'écoute. Tu penses que Zara fait partie de ceux qui veulent te tuer? Je t'ai dit que des hommes voulaient me tuer. Te rappelles-tu? Oui. Les voici. Regarde. Ça, c'est Zara, ma belle-mère. Je sais. Voici Shegun, mon fiancé. Voici Pamela, ma meilleure amie. Et celui-ci... Il m'a violée. Il a tué mon frère Lindel et m'a violée. Oui, celui-ci. Calme-toi. Il est grand temps que je parle avec ton père. Comment peux-tu dire ce genre de choses? Allô, Jimmy, je ne peux pas te parler, je t'appelle, ok? Ok, j'arrive. Qui est-ce? C'est mon partenaire d'affaires. Je reviens. Papa, voici les hommes qui ont tué Lindel et Serena. Ils l'ont tué. Je les ai regardés la tuer. Votre femme sait que vous êtes ici? Non. J'ai gardé ma destination secrète, comme vous l'avez demandé. Je pense qu'il est temps que nous allions à la police pour leur montrer ce que nous avons. Vous avez raison, monsieur. Mais nous avons besoin de preuves tangibles qui pourront les convaincre de nous croire. Ce que nous avons là, c'est rien du tout. Ils s'en sortiront probablement après une tape sur les doigts. Ces maudits gens. Ces gens ont détruit mes enfants d'une manière inimaginable. Rien, même pas la mort, ne me retiendra. Zara doit payer pour ce qu'elle a fait à ma famille. Ils payeront pour ça. Je comprends, monsieur. Que vouliez-vous qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait? Mais nous devons agir avec prudence. Nous avons besoin de preuves évidentes pour les enfermer. Qu'est-ce que tu en dis? Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Dites-moi, comment allez-vous me l'expliquer? Hein? Ne vous ai-je pas interdit de me décevoir à nouveau? Je l'ai fait. Hein? Non, mais j'arrive pas à imaginer qu'une fille, une, autant que vous êtes, une seule vous file entre les doigts. Aïe, dois-je tout faire par moi-même? Oh! Vous pouvez me dire pourquoi je vous paye? Cette fille est très chanceuse. Je l'aurais facilement tuée d'une balle, mais tu l'as volée vivante. Alors quoi? Non. Et maintenant c'est de ma faute? Si vous aviez suivi mes instructions à la lettre, nous n'en serons pas là. Nous n'en serons pas dans cette merde. Oui. Au lieu de ça,
Tu as préféré la violer. Pourtant, j'étais interdit de l'approcher. Hein? Zara. Zara, s'il te plaît. Ce n'est pas la faute d'une personne. S'il te plaît, arrête de nous rejeter le tort. La question devrait être, que faisons-nous maintenant? Cherchez-la. Maintenant, vous demandez ce qu'il faut faire et vous restez là à me regarder. Et cette fois, pas d'erreur. Non, car je ne le tolérerai pas. Ah. Oh. Ça te va bien. Merci. Je pensais que ça n'étirait pas, surtout le chat. Merci beaucoup, Jamie. De rien. Tu dormiras ici. Et toi alors? Je dormirai dans le living room. Es-tu sûr? Ça me va. Merci beaucoup. Merci. Je t'en prie. Dois-je éteindre la lumière? Oui. Merci. D'accord. Bonne nuit. T'es rentré? Oui, oui, oui. Des nouvelles de Linda? Pas encore. Mais je ferai de plus en plus de recherches sur elle le matin. Je suis très fatigué. Tu crois? Comment on se retrouve? J'ai reçu un appel très urgent du village. Ma mère, elle est malade. Ta mère qui est morte il y a de cela 10 ans, ou une nouvelle mère? Crête. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'essaye pas de m'enfuir. Je vais juste me rendre au village pour voir ma mère. Bla 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 bla. Que t'ai-je dit la dernière fois? Redis-le et barre-toi. J'ai trop de choses dans la tête. Dans ce cas, je devrais faire mon job. Kurt, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en prie. Dors bien, traîtresse. Oh, chérie. Oui,
Je vais chercher ma fille, comme je te l'ai dit. Ah, d'accord. Je rentrerai tard à la maison. Vraiment tard. Sans problème. Ok. J'espère que tu la trouveras. Oui, moi aussi. Bonjour, Zara. J'ai appris que tu me cherchais. Oh, oui, vraiment. Dieu merci, tu es à la maison. Nous étions tous tellement inquiets pour toi. Oh, grâce à Dieu. Oh, s'il te plaît, arrête ton cinéma. Il n'y a pas de spectateurs ici, juste toi et moi. De quel cinéma est-ce que tu parles? Ce n'est pas du cinéma. Écoute, je suis tellement contente que tu sois rentrée à la maison. Oui. Zara, je sais qui tu es. Tu as payé tes gars pour qu'ils tuent Lindel et moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais vraiment pas. Oh, elle ne sait pas de quoi je parle. Zara, ai-je l'air d'une idiote? Pourquoi as-tu tué mon frère? Oh. Tu sais, j'ai toujours su que tu étais la petite préférée de ton père. Mais je pense que maintenant, je sais pourquoi tu veux des réponses, n'est-ce pas? Tu les auras. Zara, vas-tu parler enfin? Dis-moi, pourquoi as-tu tué mon frère? Pourquoi? Oh, à cause de l'argent. À cause de tous les biens. Oui, l'argent, l'héritage et tout. Écoute, je devais m'accaparer de tout cet argent que ton père a amassé pendant toutes ces années. Oui! Et comment y arriver? Il me fallait un fils. Ayant le sang des Balogou qui coule dans ses veines. Oui, oui. Oh, oh, Zara, s'il te plaît, Zara. Oh, 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 Zara, Zara, s'il te plaît, arrête, 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 arrête. Arrête, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur. C'est quoi le problème? J'ai envie de toi. Je veux que tu me touches. J'ai besoin de dormir. Est-ce trop demandé? Ok, très bien. Mais fais-moi l'amour. Je te laisserai dormir. Mais attends, je viens de te faire l'amour. Oh! Un coup de 2 secondes? On appelle ça faire l'amour? Oh, nous ne pouvons pas continuer ainsi. Je veux un enfant, je veux un fils. Et nous n'y arriverons pas sans véritablement faire l'amour, hein? Zara, j'ai fait de mon mieux pour ce soir. S'il te plaît, permets-moi de dormir. Peut-être demain, je ne sais pas. J'ai besoin de repos. Pour moi, c'est suffisant, très suffisant. Bonne nuit. Zara. Oui. Je viens réaliser des rêves. Mes rêves? Ouais. Des rêves. Je vois le désir dans tes yeux. Je vois la façon dont tu me regardes. Oui, je le vois. Je suis venue m'offrir à toi. Et ce sera notre petit secret. Comme ça, tu l'as séduit. Écoute, ton père n'est plus du tout jeune et viril. Ça fait des années que nous sommes mariés et il ne me fait plus jouir. C'est un mensonge. T'es tombée enceinte et t'as perdu le bébé. J'étais là, t'en souviens-tu?
Oui, je suis tombée enceinte, c'est vrai. Et j'ai perdu le bébé. Mais le bébé n'était pas celui de ton père. Quoi? Oui. Mmh. Ton frère était un vrai homme. Il m'a mise enceinte. Pas comme ton nulard de père. Oui. Lindel découvrit que le bébé était le sien. Et il prit conscience. Écoute, je l'ai supplié. Je l'ai vraiment supplié. Mais il n'a pas voulu se gêner. Et t'as préféré le tuer. Ah, écoute. C'était la meilleure chose à faire. Oui, écoute. Il voulait ruiner mes plans. Dis-moi, et moi alors? Que t'ai-je fait de mal? Écoute-toi, mauvais endroit, au mauvais moment. Je suis vraiment navrée pour ton viol. T'étais vierge, je crois. Oh, t'as-tu vraiment souffrir? Va au diable, Zara! Alors, dis-moi, comment Parmela et Shegun se sont-ils retrouvés dans tout ça? Très bien. Ton amie était vraiment folle amoureuse de Lindel. Écoute, il lui a brisé le cœur. Oui. Qu'as-tu fait à Pamela? La pauvre était en pleurs. L'as-tu frappée ou quoi? Non. Je ne l'ai pas touchée. Ah. Elle dit qu'elle a des sentiments pour moi. Mais je lui ai dit que ce n'était pas réciproque. Elle a piqué une crise. Et m'a menacé en partant. Honnêtement, Pamela pense qu'avoir grandi dans les ghettos de Lagos et connaître tous les voyous de ce quartier lui donne le droit de menacer tout le monde. Mais je vais te dire une chose. Je n'ai peur de personne. Quant à toi, Zara, si tu es là pour me convaincre de laisser mon père reconnaître mon enfant, tu te mets le doigt dans l'œil parce que je suis prêt à reconnaître mon enfant. Quand mon père reviendra d'Hong Kong, je lui dirai tout ce qu'on a fait. Et j'implorerai son pardon. Écoute, Lindel, ton père pourrait te pardonner, mais il ne va pas me pardonner, moi. Comment te faire comprendre ça? Écoute, continue cette belle histoire d'amour. Personne ne le saura. Oui, écoute, je t'aime tellement, de tout mon cœur. Oui. Regarde-toi, tu n'as même pas honte de toi? J'ai dit que je n'en voulais plus du tout. J'en ai marre. Calme-toi. Je n'en veux plus du tout. De grâce, dès le retour de mon père, je lui dirai tout ce qu'on a fait ensemble. Et le supplier de nous pardonner. Ah ah. S'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, ne lui dis rien. Tu veux que je m'agenouille? S'il te plaît, ne lui dis rien. Je n'en peux plus. Il doit le savoir. Et c'est mon dernier mot. S'il te plaît, va-t'en. J'ai dit va-t'en! Femme sans honte. Thank you.
Je dis que je ne veux plus du tout de cela. J'en ai marre. Je n'en veux plus du tout. S'il te plaît, quand mon père reviendra, je lui dirai tout ce que nous avons fait ensemble. Et le supplierai de nous pardonner. Ah ah. Que vais-je faire de ce garçon? Que vais-je faire? Que vais-je faire? Que vais-je faire? Honnêtement, Pamela pense que avoir grandi dans les ghettos de Lagos et connaître tous les voyous de cette ville ne lui donne pas le droit de menacer tout le monde. Je sais quoi faire. Alors tu t'es associé à Pamela, sans oublier Shegun. Écrite le violeur. Écoute, elle était très enthousiaste à ce sujet. Elle détestait ton frère. Oui. Après que tu aies survécu à cette blessure par balle, tu fus frappé par une anémie partielle. Écoute, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait garder l'œil sur toi. Ah oui. Et puis j'ai rencontré Shegun. Tu l'as arrangé. Exactement. J'ai tout arrangé. Écoute. Après ma fausse couche, le docteur me confirma que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Je devais établir un nouveau plan. De faire épouser Shegun. Tu es ton père. Et... dans un grave accident de voiture, l'argent irait automatiquement à ton mari et à moi. Super plan, n'est-ce pas? Mais alors, tu n'aurais jamais laissé Shegun toucher cet argent, n'est-ce pas? Même pas un centime. Je l'aurais tué. Mais ça, ce n'est plus du tout nécessaire. Les dés sont déjà jetés et je dois faire le nettoyage dans la maison. Oui. Ah! Ah! Elle a une arme! Posez cette arme! Posez-la! Elle a tué Lidl. Laisse-la. Laisse-la pour l'espèce. C'est bon, c'est bon. Vous êtes en état d'arrestation pour le maître. Pourquoi? Ai-je tué quelqu'un? Oh, là tu perds du temps. Donc tu n'as tué personne. Ne t'inquiète pas, j'ai des preuves ici. J'ai ses aveux. Oui, c'est un plan. Méchante femme. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre des Lidl dans le bout. Serena, et pour conspiration pour le meurtre des Lidl que voici et celui du Tiff dans le bout. Elle a tué mon frère. Madame. Elle a tué mon frère. Je suis innocente. Méchante femme, méchante femme. Elle a tué mon frère. Elle va le tuer. Elle a tué mon frère. Lidl, elle a tué Lidl. Je suis Lidl. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.